Monde et bienvenue à notre forum de parlons radiologie de ce jour. Nous allons commencer le webinaire qui s'inscrit dans une série de réunions déjà précédentes qui ont porté sur les tumeurs, l'imagerie des tumeurs du cerveau, et la séance d'aujourd'hui portera sur l'imagerie des tumeurs de la fosse postérieure chez l'enfant. Sujet qui sera présenté par le professeur Dadimata, qui n'est plus une personne à présenter. Il est professeur de l'Université de Dalhousie au Canada. Il est professeur de radiologie à l'Université de Kinshasa. Il est initiateur et visionnaire du forum de lundi parlons radiologie. Nous aurons également comme panéliste un des brillants neurochirurgiens de la ville de Kinshasa, le docteur Trésor Ngamasata, qui va nous donner les attentes du clinicien. Il est praticien hospitalier au SEMCA. Il est également à l'hôpital général de Kinshasa et à New Deal. Nous aurons encore comme un autre panéliste, le professeur Bienvenu Le Boaz. Lui, il est anatomopathologiste, illuminé de sa génération. Le professeur Le Boaz est une référence dans son domaine. Il est professeur à l'Université de Kinshasa et il a la charge de diriger la politique nationale de lutte contre le cancer en République démocratique du Congo. Et la modération sera assurée par moi-même, praticien hospitalier à HJ Hospital et à l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa. Je suis radiologue et ancien interne des hôpitaux de Besançon en France. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au professeur Dadimata pour nous donner la quintessence et la substance de son exposé. Professeur Dadi, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de retrouver encore cette audience. Un plaisir parce que c'est toujours, même la Bible a dit que il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand on partage le peu que nous avons appris ici, ça profite à nos jeunes qui nous succèdent ou bien qui viennent après nous dans la spécialisation. Comme nous avons dit la fois passée, les tumeurs du système nerveux central, juste pour parler des neuros, c'est un très, très gros chapitre et nous sommes en train de l'émietter. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième séance, comme vous l'avez dit, qui sera basée principalement pour les tumeurs de la fosse postérieure. Et comme je l'ai dit à la séance passée, la neuroradiologie pédiatrique est une hyperspécialisation de la neuroradiologie. Et en termes de tumeurs, la plus grande différence ou le plus de spécificités se voit au niveau de la fosse postérieure, comme on va le voir aujourd'hui. Je commence ma présentation. J'ai pas de nothing to disclose. J'ai pas de fonds de recherche de quelques compagnies qui ce soit qui puissent biaiser le contenu de ma présentation. C'est court, quand je l'ai donné ici, je l'ai commencé avec cette interrogation. Première question, on n'a pas besoin de répondre à haute voix, chacun répond dans son cœur. Laquelle des assertions suivantes est vraie? Il n'existe pas de corrélation entre la classification de la biologie moléculaire des médulloblastomes et les pronostics du patient. Deux, la mutation du gène TP53 affecte les pronostics des médulloblastomes du groupe Winkless. C'est la mutation du gène TP53 n'affecte pas le pronostic de médulloblastome du groupe Sony-Hedgehog. La mutation BRAF n'a pas de valeur pronostique dans les astrocytomes pilocytiques. Toutes les assertions susmentionnées sont fausses. Dernière question. Laquelle des assertions suivantes est incorrecte? Les ependymomes de la fosse postérieure du groupe A ont un bon pronostic comparé à ceux du groupe B. Souvent, dans les astrocytomes malins infiltrant du pont, une biopsie n'est pas nécessaire. L'IRM a une valeur diagnostique.
Le groupe 4 des médulloblastomes, c'est le groupe le plus raconté, mais dont la nature reste mal comprise. L'aspect mismatché des métastases sont pathognomoniques aux médulloblastomes du groupe 4. Je suis conscient que ce niveau est très élevé. C'est juste une façon de donner, de donner un peu le goût pour ceux qui veulent aller en profondeur, pour savoir en Occident, quand on parle des tumeurs, jusqu'où nous allons dans les détails en termes de biologie moléculaire, quand vous allez dans des staffs où il y a les neuroradiologues et les anatomopathologistes et les neurochirurgiens, les débats se font en ces termes-là. Bien sûr, dans ces cours, je vais revenir plus au niveau des bases pour consolider des bases et quels sont les objectifs poursuivis dans ces cours. D'abord, je vais rappeler les caractéristiques radiologiques des tumeurs de la fosse postérieure. Je vais discuter, quand c'est possible, des mises à jour des classifications des OMS 2021, vraiment de manière superficielle. J'y reviendrai quand on aura fini toutes les tumeurs, quand on aura maîtrisé la biologie moléculaire. Je donnerai maintenant les updates vraiment pointus. Mais à ce niveau, on est au niveau de quelqu'un qui commence la radiologie les deux premières années. C'est à ce niveau-là que je vais placer les cours pour que nous comprenions le base. Et nous allons discuter les rôles de la biologie moléculaire et de la génétique dans les diagnostics et les pronostics des médulloblastomes. Et pour arriver à ces objectifs, regardons comment j'ai subdivisé ma présentation. Je vais commencer par une introduction. Je vais parler des études particulières de quelques tumeurs. Je vais principalement résumer 4 grands groupes de tumeurs avec des sous-groupes et puis je vais montrer des cas cliniques. Je pense que pour un sujet aussi important que les tumeurs de la fosse postérieure, il faut que je vous montre les cas tels qu'on les a reçus ici. Comment l'affaire est arrivée, comment le scanner s'est présenté, comment au diagnostic, au scanner, on a pu faire le diagnostic différentiel histologique avant l'IRM. C'est possible comme on va le voir ici. Donc, à la fin de ce cours, on ne doit plus parler d'une tumeur de la fosse postérieure, non. On doit être capable de dire, est-ce que c'est beaucoup plus médulloblastome, est-ce que c'est beaucoup plus astrocytome pilocytique sous base du scanner avant même l'IRM. On va commencer. Ça, c'est la classification. J'ai montré ce slide la fois passée. Ça, c'est la nouvelle classification des tumeurs du cerveau dans la classification de OMS 2021. Je ne vais pas aller en détail. Commençons d'abord quelques tumeurs particulières. D'abord, les tumeurs embryonnaires. Comme je l'ai dit la fois passée, dans les tumeurs embryonnaires, ce groupe a été reclassé. On a enlevé médulloblastome de ce groupe, on a laissé les autres. Les tumeurs rhabdoïdes, tératoïdes atypiques et les tumeurs embryonnaires avec les rosettes multicouches, et sont restés dans le groupe de tumeurs embryonnaires. Médulloblastome a été mis à côté. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de spécificités et on a maintenant la possibilité de faire une target therapy, c'est-à-dire un traitement ciblé par rapport aux mutations. Et il y a beaucoup d'avancées. Il y a même des études que nous-mêmes nous avons faites que je vais présenter dans cette communication. Et puis, on va parler des astrocytomes pilocytiques. Je vais parler des pandimomes. Je vais montrer les gliomes diffus pédiatriques de la ligne médiale. Et puis, on va basculer dans le cas clinique. Parlant de tumeurs de manière générale, ça, j'en ai parlé. J'ai dit que c'est la deuxième cause de décès chez l'enfant. Et la prévalence, la localisation des tumeurs chez les enfants, ça dépend de leur âge. Avant 3 ans, généralement, c'est dans la partie sous-tentorielle, en sus-tentorielle. Entre 4 et 10 ans, c'est infratentoriel. Et après 10 ans, il y a une répartition presque similaire des deux côtés. Et à ce jour, comme je l'ai dit, les avancées en génomique et en génétique de manière générale, ça nous permet beaucoup plus de comprendre la tumorogénèse. Et pour l'instant, les diagnostics, ce n'est plus l'histopathologie seulement. Et même quand vous regardez les classifications de l'OMS, on mélange maintenant la génétique et l'histopathologie pour trouver non seulement les diagnostics, mais déjà au niveau des diagnostics, établir les pronostics et même le traitement, s'il doit être ciblé par rapport aux mutations que nous avons. Et ainsi, l'imagerie ne consiste pas à dire qu'il y a une tumeur au niveau de la fosse postérieure, vous n'avez encore rien dit. N'est pas seulement de dire la liste des diagnostics différentiels, citer 7 tumeurs sans cohérence, ce n'est plus le cas. On doit être capable, à partir des tumeurs, de parler des groupes moléculaires qui peuvent être impliqués, ce qu'on appelle sous les noms radiogénomiques, c'est-à-dire à partir des phénotypes à l'imagerie, de prédire la biologie moléculaire. Je vais bypasser cette histoire. On passe au médulloblastome. Ça, c'est le plus important. Maintenant, on peut oublier tout ce que j'ai dit avant. C'était des redites, c'était juste pour l'entrée à la matière, pour rendre ça beaucoup plus académique. Le plus important commence ici.
Méduloblastome, au niveau de la fosse postérieure, à plus de 90%, les tumeurs que vous allez rencontrer, ce sera soit le méduloblastome, soit l'ependymome, soit l'astrocytome. Il y a ce qu'on appelle la règle d'or. Les méduloblastomes, ils auront toujours une restriction de diffusion. Vous vous souvenez encore, quand j'ai fait une introduction, on a parlé des signes de malignité ou des signes de tumeurs de haut grade. Vous vous souvenez, j'ai dit que cette séquence ici, ça c'est la diffusion, ça c'est le map et d'ici. Une tumeur qui paraît beaucoup plus blanche, donc un hypersignal en diffusion, est beaucoup plus noire que le cerveau adjacent, comme on le voit ici, c'est ce qu'on appelle une restriction de diffusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette masse-là, il y a tellement de cellules tumorales qu'il y a peu de molécules d'eau qui sont là-bas et les atomes ne peuvent pas se mouvoir. Le mouvement bromé ne peut pas se faire à ce niveau-là. C'est cette caractéristique-là que l'IRM capture et nous donne ça sous forme de photos. Donc, quand c'est beaucoup plus blanc en séquence de diffusion et noir, comment savoir que c'est noir? Plus noir que le cerveau à côté, c'est un signe de malignité. Et quand vous voyez ça, c'est déjà, vous pensez à une tumeur embryonnaire. Méduloblastome en tête, en plus de 80% des cas. Comme je vais le dire, si l'enfant a moins de 3 ans, c'est dans ces groupes-là que vous allez mettre les ATRT, dans ces groupes-là que vous allez mettre les ETMA, c'est dans ces groupes-là que vous allez mettre les autres tumeurs embryonnaires. Mais méduloblastome, ça sera en tête. Maintenant, si on n'a pas l'IRM, on n'a que le scanner. Souvenez-vous, j'ai dit le caractéristique ici, c'est dû au fait qu'on a une masse cellulaire très élevée dans ce petit, dans cette petite, en fait, dans cette masse, on a beaucoup de cellules. Et quand on a beaucoup de cellules, on revient au scanner. C'est quoi en fait le scanner? C'est le rayon X qui doit traverser le corps et l'ordinateur nous permet de dire qu'est-ce qui a été retenti, c'est-à-dire quels sont les rayons qui ont été absorbés, qui ont pu traverser et qu'est-ce qui n'a pas pu traverser. C'est cette différence-là qui est traduite. Donc, une structure qui retient beaucoup plus de rayons X comme l'os sera beaucoup plus blanc, donc dense, de même une tumeur qui a beaucoup plus de cellules. Regardez quand on regarde ce scanner ici, regardez la substance blanche ici par rapport à la masse ici, qui est dans le quatrième ventricule, on trouve qu'il est beaucoup plus blanc. Voir cette image ici, une image qui est beaucoup plus blanche au scanner, c'est un signe de malignité. Ça veut dire soit la tumeur a saigné à l'intérieur, ou alors il y a beaucoup de cellules. Or, je vous ai dit, à plus de 80% des cas, ce sera soit méduloblastome, soit ependymome, soit astrocytome. Et l'ependymome, ça saigne, mais pas au point de rendre toute la masse blanchâtre. Donc, quand vous voyez ça au scanner, ça veut dire que c'est une tumeur de haute malignité. Donc, c'est le méduloblastome. Une autre façon de le voir, c'est en T2, comme je l'ai dit, parce que normalement, la plupart des lésions en T2, ça sera un hypersignal, parce que la plupart des structures auront des contenus en eau. Mais quand vous trouvez une masse qui paraît moins blanche, ça va être beaucoup plus blanc comme celle-ci, comme on va le voir avec les astrocytomes. Quand c'est moins blanche comme ceci, ça veut dire que nous avons il y a beaucoup de cellules, donc il y a peu d'eau. Ça ne peut pas être si blanc que ça. Donc, c'est une tumeur qui a une grande cellularité. Comme je l'ai dit, méduloblastome, c'est le tumeur le plus fréquent. C'est à peu près 80% et 40% des tumeurs de la fosse postérieure. Avant la classification, on parlait de type classique, desmoplastique, nodulaire, anodularité extensive, anaplastique ou assez géante. Ça, c'est de plus en plus dépassé. Maintenant, à partir de 2016, il y a des groupes moléculaires. On a des Wingless, Sony Hedgehog, et dans 2021, on a scindé le groupe Sony Hedgehog en deux groupes, sur base de la présence ou pas de la mutation TP53. Ça, c'est vraiment profond, je vais juste survoler. Et puis, il y a les groupes 3 et les groupes 4. Et on pense qu'il y a beaucoup plus de groupes, mais jusque-là, tout le monde est d'accord qu'on en a 4. Maintenant, les groupes, ce qu'on appelle les Wingless, c'est moins 10% des cas. Sony Hedgehog, c'est 30%. Et les autres groupes, ça partage les autres. Les noms ici, ce n'est pas seulement les noms. Ça a une valeur pronostique, comme on peut le voir. Et le premier papier qui a publié ces groupes-là en radiologie, c'est le groupe de l'Université de Montréal, professeur Perrault. Et puis, il y a un autre groupe de Saint-Jude aux États-Unis, qui ont spécifiquement évalué seulement les groupes Wingless. Et nous-mêmes, nous avons publié maintenant
ces papiers dans le journal américain de neuroradiologie pour voir si les métastases de ces tumeurs peuvent prédire les tumeurs primaires. Ici, je vais rapidement surveiller cette partie-là et j'essaie un peu de montrer ces sous-groupes, comment c'est présent. Le premier groupe, c'est le Winkless. Généralement, et c'est le groupe qui a le meilleur pronostic. Pourquoi j'ai dit que c'est le meilleur pronostic? Et pourquoi on insiste sur les sous-groupes? Parce que quand vous dites que c'est le médulloblastome, ça veut dire qu'on doit irradier toute la tête, on doit irradier toute la colonne, la chimiothérapie sur dose maximale. Maintenant, savoir que ce groupe ici n'est pas aussi agressif que ça, on peut diminuer d'abord les doses, sachant que quand on irradie, plus on détruit les cellules à mutation rapide, par exemple au niveau des gonades chez les filles, tout cela, il y a beaucoup de complications. Maintenant, à partir de la radiologie, si on peut déjà prédire les sous-groupes, ça aide aux cliniciens, même dans les counseling avec la famille, même dans les doses à utiliser dans les traitements. D'où l'importance de ces sous-groupes. Et j'ai tenu à montrer ces cas ici, parce que quand on va parler des ependymomes, on va voir qu'ils ont tendance à faire une protrusion au niveau de l'angle cérébro-pontine. Et les ependymomes, plus de 50% n'auront pas les restrictions de diffusion ou ne seront pas si blancs que ça au scanner. Et comme je l'ai dit dans ces groupes ici, même s'ils ont la mutation TP53, c'est un signe de malignité absolue et les MYC. Mais dans ces groupes, même quand ils ont cette mutation, on a trouvé que ça n'a pas une valeur pronostique. C'est parmi les questions que j'ai mises au début de la présentation. Et il y a d'autres syndromes qui prédisposent à cela. Vous vous souvenez, j'ai parlé des syndromes de prédisposition au cancer la fois passée et les syndromes de tricot. Ça, on peut dire dans Google. Quand un enfant a ces syndromes, ils ont tendance à développer cette tumeur. La localisation, on en a parlé. Le deuxième groupe, c'est le Sony Hedgehog. Généralement, ça prend naissance au niveau du cortex du cervelet. Et on trouve que c'est, en termes de pronostic, c'est entre le Winkless, les bons enfants et les groupes 3 le plus mortel. C'est presque au milieu. Et voilà pourquoi, en classification 2021 de l'OMS, on a scindé ça en deux groupes. Ceux qui ont la mutation TP53, ils sont bénins. Et ceux qui ont la mutation TP53, c'est mauvais pronostic. Et parmi les syndromes qui prédisposent à ça, c'est le syndrome de Gorlin. Ils ont généralement des calcifications au niveau des fosses du cerveau. Et puis, le syndrome de Lee-Fromeny. Je n'entre plus dans les détails, on en a parlé. Et ici, ça peut donner l'impression de provenir. Ça, c'est un cas que j'ai publié dans cet article ici. Ça donne les précédents dans le quatrième ventricule, mais quand vous regardez en post-opératoire, ça venait toujours du cortex, mais de floculonodulaire, lobe floculonodulaire. Donc, Sony Hedgehog, ça viendra toujours du cortex. Après ça, on a les groupes 3. C'est les groupes le plus dangereux. Regardez, c'est une petite tumeur, mais déjà, on a cette métastase. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le nerf trigémal qui est en train de rehausser pour dire qu'il y a déjà une métastase au niveau. Et regardez même les leptoménèges, c'est beaucoup plus blanc. Ça, ce sont déjà des métastases. Regardez la petite taille de la tumeur, mais déjà avec les métastases. Et souvent, ils ont cette mutation qu'on appelle des MYC amplification, des très, très mauvais pronostics. Et puis, il y a les groupes 4. Ici, je vais faire une parenthèse. Pourquoi? Regardez, cette tumeur ne rehausse presque pas. C'est moins de 10% de la tumeur qui rehausse. Et le jour où on a parlé des caractéristiques de malignité, on a dit qu'une tumeur qui prend les produits de contraste, c'est soit il y a néovascularisation, ou alors il y a la rupture de la barrière méningo-encéphalique. Et ici, ce qu'on regarde dans les groupes 4, c'est une caractéristique. Je vais y revenir quand je vais parler des métastases. Généralement, ils rehaussent moins et ça représente 40% des cas. Maintenant, ça, c'est notre étude pour le métastase. On a trouvé que ces tumeurs respectent aussi la façon de faire des métastases. On a revu à peu près 119 cas consécutifs et il y avait 34 cas avec des métastases. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais passer un peu vite. Ici, qu'est-ce qu'on avait examiné au fait? C'est la localisation des métastases. Est-ce au niveau de la couche ependymaire? Est-ce au niveau de l'ectoménège? Est-ce qu'il y a restriction de diffusion ou il y a rehaussement au produit des contrastes? Et qu'est-ce qu'on a regardé? Regardez le premier groupe, le Winkless, que j'ai dit qu'il a le bon pronostic. Ils étaient à 19, seulement un cas qui avait des métastases. Et même ce métastase-là était équivoque, ce n'est pas précisé. Le groupe Sony Hedgehog, on a mélangé les TP53 et l'autre, ils avaient, ça c'est au diagnostic,
Wingless n'avait pas de métastases au diagnostic. Les métastases sont apparues vraiment après 15 ans après. Mais Sonny Hedgehog, il y avait des tumeurs. Je vais montrer pourquoi tu as mis point d'interrogation. Il semblerait avoir des métastases, mais le reste, c'est deux seulement après, à long cours. Mais regardez le groupe 3. C'est le groupe qui a eu plus de métastases, 44% de métastases, et le groupe 4. Voyons un peu le groupe 4 dont je parle ici. J'ai publié ce phénomène que j'ai appelé mismatching dans cet article-là. Regardez cette tumeur. Nous avons une tumeur primitive ici qui rayonne presque pas, alors qu'on a beaucoup de rayonnements au niveau de l'ectoménage. Et quand vous allez à la couche épandimère, au dedans du ventricule, la tumeur te montre une restriction de diffusion, mais il n'y a pas de rayonnement. Tout ce qui est dans le ventricule, tout ce qui est tout les métastases qui sont en contact avec les liquides céphalo-rachidiennes, et ils ne montrent pas le rayonnement. C'est seulement ceux qui sont en dehors, comme on le voit dans les lignes ici. Il y a un phénomène que nous avons été le premier à publier, c'est ce qui se passe ici, au niveau de l'infibulon. Regardez, on a deux masses qui se font la bise ici. La masse qui est à l'intérieur de du troisième ventricule, comme c'est en contact avec les liquides céphalo-rachidiennes, ça ne montre pas, le rayonnement. Alors que la masse qui est en dehors de la face extérieure de la ventricule, ça rayonne. On ne sait pas pourquoi ce phénomène-là se présente comme ça. On pense que c'est un problème de micro-environnement. Je n'entre pas la philosophie. Et dans les groupes 3, et par contre, ce qu'on a vu avant, c'était les groupes 4. Dans les groupes 3, qu'est-ce qu'on voit? Ils montrent à la fois et les rayonnements et la restriction des diffusions. Ça, c'est la tumeur primitive. Regardez, cette métastase ici, elle est beaucoup plus grosse. La tumeur secondaire ici est beaucoup plus grande que la tumeur primitive. Regardez le méta ici, beaucoup plus grand que ça. Et on pense que ces tumeurs, ils ont un phénomène clonal précoce. Voilà pourquoi ils donnent des métastases très précoces. Et ils ont un très, très mauvais pronostic. Et pour les Sonny Hedgehog, les groupes 3, regardez ce qu'on a trouvé. Les trois malades qu'on avait, ils avaient une tumeur similaire. Ici, on ne sait pas, est-ce que ça, c'est la tumeur primitive et les autres sont de méta, ou bien c'est trois tumeurs différentes. Et ici, on trouve une masse ici et une autre masse juste à côté qui ne sont pas connectées. Et le débat ici, c'était est-ce que c'était des tumeurs synchroniques ou c'était des métastases. Et ça, c'est une spécificité de ces groupes ici. Donc, ça, c'est la conclusion. Le type de métastases, la localisation des tumeurs pour les médulloblastomes, ça vous permet de prédire les sous-types. Et par rapport à cette présentation, l'objectif, ce n'est pas que vous soyez capable de prédire les sous-types, non. Que vous soyez capable de dire est-ce que c'est médulloblastome, c'est ependymome ou bien c'est les astrocytomes. J'ai parlé des sous-groupes parce que pour ceux qui ont ceux qui vont à l'étranger, quand ils vont dans les staffs, on va leur parler des sous-groupes. Voilà pourquoi j'ai résumé les sous-groupes en quelques mots. Donc, oubliez les sous-groupes, retenez seulement deux choses. Les médulloblastomes sont le plus fréquent de la fosse postérieure. Ça va montrer la redistribution des diffusions. Ils seront plus denses que le reste des cerveaux, donc plus blancs que le reste des cerveaux au scanner. Et en T2, le signal sera moindre par rapport à d'autres tumeurs que nous voyons. Quand vous avez compris cela, c'est bon, on passe au deuxième groupe. Deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les tumeurs rhabdoïdes tératoïdes atypiques. En fait, ce sont des cousins des médulloblastomes. Et vous vous souvenez, au début, j'ai dit que les tumeurs embryonnaires, ça comprenait médulloblastomes, il y avait ces groupes ici, les ETRT. Sur le plan radiologique, à plus de 80%, on ne sait pas les différencier des médulloblastomes. Donc, si vous pouvez dire que c'est une tumeur embryonnaire, même si vous appelez ça médulloblastome, le traitement sera similaire en termes de radiation. L'histopathologie va nous donner les détails. Mais ce qui est important, qu'on n'appelle pas ceci astrocytome. Regardez, ils ont presque les mêmes caractéristiques. En T2, ce n'est pas si blanc que ça. Ça, c'est le liquide céphalo-rachidien. Les autres tumeurs, quand je vais parler des astrocytomes, vous verrez qu'en T2, ça sera blanc, aussi blanc que ça. En diffusion, c'est beaucoup plus blanc que le reste du cerveau. Et ça, c'est l'image flair. Et les rayonnements, c'est comme le type 4 des médulloblastomes. Donc, quand j'ai cette tumeur ici, et comme j'ai dit la fois passée, caractéristique, c'est que par moment, ça chevauche au niveau de la faute du cervelet ici. Ça va de part et d'autre, donc en sustentoriel et en sous-tentoriel. C'est ce qui peut vous permettre quand même de différencier les ETRT. Mais ces features, comment cette caractéristique, n'est pas toujours visible. Donc, c'est OK d'appeler ça médulloblastome. Vous n'êtes pas à côté, même à l'examen. Parce qu'ils ont le même caractéristique, c'est l'histopathologie. On a besoin des procès de Boise pour les différencier. Mais appeler ça, c'est ma tumeur déjà au grade, c'est bon. Vous avez tous les points. Je ne vais pas parler des caractéristiques.
Je ne vais pas parler d'autres lésions. J'ai déjà dit ce qu'on doit. Le TRT doit être inclus dans les diagnostics différentiels chaque fois que médulloblastome est suspecté chez un enfant de moins de 3 ans. Donc, c'est ce qui s'en résume. Le deuxième groupe de tumeurs embryonnaires, c'est les tumeurs embryonnaires avec les rosettes multicouches. Ce sont les entités qui ont été incluses à la classification de 2016. Ça également, regardez la diffusion, c'est dark. Donc, ATRT, terme-ci et médulloblastome, c'est la même tumeur en termes d'imagerie. On n'a pas assez d'arguments, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'expérience pour les différencier. Et pour être savant, quand vous avez une tumeur comme celle-ci, vous dites, OK, c'est généralement une tumeur à haut grade, diagnostic différentiel, médulloblastome, ATRT, terme. Vous paraissez beaucoup plus génie que ça. Mais si vous appelez ça seulement médulloblastome, vous n'êtes pas totalement à côté aussi. Je laisse passer ça, je laisse les détails, et puis on va parler des astrocytomes. Souvenez-vous de la règle des trois, de la règle d'or, j'ai dit médulloblastome avec ses cousins et frères. Les autres tumeurs embryonnaires, ils auront toujours une restriction de diffusion. Les astrocytomes pilocytiques, ils n'auront jamais une restriction de diffusion. Ça, c'est l'image en diffusion. Qu'est-ce que nous voyons? Regardez ici, la tumeur est moins blanche que même le cortex du cervelet. Ça, c'est un signe de bénignité. C'est un signe de bénignité. Et ils ont beaucoup de lésions kystiques. Tout ce qu'on voit ici, ce n'est pas les, les liquides céphalo-rachidiens, mais c'est une partie des tumeurs. Et regardez le rehaussement. Ici, généralement, c'est ce qui compromet un peu le diagnostic différentiel chez les apprenants, parce que ces tumeurs peuvent rehausser de manière significative. Tous sachant que les rehaussements, c'est un signe de malignité et généralement un échec. En termes de tumeurs de la fosse postérieure, donnez la préséance à la diffusion qu'au rehaussement. Vous serez presque jamais à côté. Regardez en T2. Comparé aux tumeurs embryonnaires, le T2, c'est beaucoup plus blanc. Ce n'est pas aussi blanc que les liquides céphalo-rachidiens ou les kystes contenus dans la tumeur, mais c'est quand même beaucoup plus blanc que la tumeur, le cerveau à côté. Et généralement, ça peut aller au niveau des pertuis. Ça, c'est seulement la loi de physique ou de quoi, parce que le quatrième ventricule n'est pas si grand que ça. Plus la tumeur croît, ça va chercher une voie pour sortir. Ça peut être au niveau des trous de Luschka, à côté ici, ou bien au niveau des trous de Magendie. Le fait d'aller dans un trou, ça ne fait pas d'une tumeur ependymome. Parce que quand on va parler d'ependymome, parmi les faits, c'est le fait que les tumeurs ont tendance à aller à côté. Et ici, je vous dis que les astrocytomes peuvent aller aussi dans le même trou. Et on a trouvé avec le sous-type Wingless des médulloblastomes, c'est généralement au niveau de l'angle cérébellopontine. Maintenant, ces tumeurs ont des mutations, généralement les mutations BRAF. J'en ai parlé la fois passée, vous vous souvenez encore de ces schémas où j'ai montré comment l'activation s'est faite, les différentes tumeurs, comment on peut voir la neurofibromatose de type 1, comment on peut voir la tubérose sclérose de Bourneville. J'ai parlé des BRAF. Ça, c'est la grande mutation que nous avons. Et il y a même une étude que nous avons faite pour montrer comment est-ce qu'on peut prédire ces sous-groupes. Je vous épargne de ça. Les deux grandes mutations, c'est BRAF Fusion et BRAF V600I. La fois passée, on en a parlé. Quand on a le V600I, c'est beaucoup plus agressif que le BRAF Fusion. Et le BRAF Fusion, ils ont maintenant des traitements qui ciblent cette mutation et qui ont un bon pronostic. Donc, l'important, c'est de savoir que quand on parle des tumeurs à bas grade, y compris les astrocytomes pilocytiques, ils auront ces deux mutations probablement. Et lorsqu'on a la deuxième mutation, c'est les mauvais pronostics. C'est l'information à garder ici. Je reproduis ça ici. Je passe, comme j'ai dit, il y a des inhibiteurs de BRAF qu'on peut utiliser et ça donne les bons pronostics quand on a les astrocytomes de bas grade. Venons maintenant au ependymome. Ça, c'est au milieu du village. J'avais dit les astrocytomes ne vont jamais montrer une diffusion de restriction. Et au scanner, les astrocytomes, ça sera beaucoup moins dense que le cerveau. Ça sera beaucoup plus noir que le cerveau. On a vu que le médulloblastome, au scanner, sera beaucoup plus blanc, plus dense que le cerveau. Et les ependymomes seront au milieu. Généralement, ça sera aussi blanc que le cerveau au scanner. Déjà, quand vous avez ces scanners, vous devez être capable d'évoquer l'ependymome comme top de diagnostic et les autres après. Et souvent, à la fosse postérieure, nous avons deux types de grades. Il y a les grades 1 et les grades 2 des ependymomes. Les grades 1 ne vont pas montrer la restriction de diffusion et les grades 2 peuvent montrer la restriction de diffusion. Voilà pourquoi la règle d'or, on dit,
Tous les EHPAD, les médulloblastomes, ils auront la restriction des diffusions, y compris ses cousins et frères, les tumeurs embryonnaires. Les astrocytomes pilocytiques n'auront jamais les restrictions des diffusions. Les ependymomes peuvent ou ne pas avoir la restriction des diffusions. La cause, c'est ça. Par le fait que, par ependymome, nous avons deux grades OMS qui sont compris. Et regardez ici, ça c'est un bel exemple de diffusion. Nous avons vu que cette médulloblastome, cette masse ici, serait beaucoup plus blanche que le cortex ici. Alors quand on voit, c'est presque la même densité, légèrement moins. Et quand on va en T2, vous vous souvenez encore, en cas de médulloblastome, c'était trop noir à cause de beaucoup de cellules. Ce serait beaucoup plus noir que le cortex. En cas des astrocytomes pilocytiques, ça serait beaucoup plus blanche parce qu'il y aurait beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de kystes comparé à ça. Mais les ependymomes sont faits au milieu, sont faits la deuxième voie, presque au milieu là-bas. Et le rehaussement, ça peut prendre n'importe quel coup. Regardez, ils ont tendance à aller au niveau des trous des louchka, des sorties. Presque le gros des masses, ce qu'on appelle l'épicentre de la lésion, ça vient presque en latéral. C'est un élément capital qu'on trouve généralement dans les pandémons des groupes A. Je vais en parler. Il y a deux sous-groupes et les deux sous-groupes ont été reconnus principalement dans la nouvelle classification, groupe A et groupe B. Les groupes A, ça dépend de la localisation, tout ça. Je vais montrer en image, c'est beaucoup plus clair. Les groupes A, c'est les pandémons classiques que nous connaissons. Une masse au niveau de la quatrième ventricule qui a tendance à faire une protrusion au niveau des trous de Lushka. Et regardez en T2, c'est comme une mixture de lésions blanchâtres. Ce n'est pas des kystes constitués comme on le voit avec les astrocytomes. Et le rehaussement, ça peut changer. Mais dans les groupes B, la masse est beaucoup plus en postérieur de médula. Comment on appelle ça? Médula oblongata, comment on appelle ça encore en français? La partie inférieure du tronc cérébral. Regardez ça totalement. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'obex. C'est là où le canal central de la moelle vient à la partie postérieure de la jonction entre le tronc cérébral et la colonne cervicale. C'est le point là. Si le point là est fixé, c'est-à-dire la masse envahit ces points là, vous avez affaire au groupe D. B. Généralement, c'est les personnes âgées. Si le point là n'est pas impliqué, la masse est beaucoup plus latérale, comme on l'a vu ici. C'est le groupe A. Et le groupe A a un mauvais pronostic. Maintenant, on va passer, ça, c'est un cas emblématique. On ne peut jamais oublier ça. Considérez que ça comme le Lumumba en RDC. Peu importe, politicien ou pas, on doit savoir au moins un centième de l'histoire de Lumumba. Ça, c'est une tumeur emblématique. Ça peut jamais manquer à un examen de pédiatrie, que ce soit neuropédiatrie, radiopédiatrie. C'est ce qu'on appelle des gliomes diffuses de la ligne médiale. Avant, on appelait ça gliome infiltrant du tronc cérébral. Cette tumeur ici, qu'est-ce que ça? Cliniquement, ce sont les malades qui viennent avec une paralysie des nerfs crâniens. Pourquoi? Ça envahit presque tout le gros ventre du tronc cérébral. La plupart des nerfs crâniens ont leur noyau à ce niveau-là. Donc, c'est normal que ces malades présentent les lésions des nerfs crâniens. Et les signes pyramidaux, c'est-à-dire parce que les nerfs pyramidaux passent par le tronc cérébral. Donc, ils seront affectés. Et aussi, les connexions qui viennent du cervelet pour aller soit en haut, soit en bas, seront aussi affectées parce que leur point de connexion, c'est ici. Donc, ils auront ces triades ici. Et ils ont ce qu'on appelle le paradoxe de astrocytome malin infiltrant. Ça, c'est le terme que moi, j'ai utilisé dans un article. Je n'ai pas mis la référence ici. J'ai publié un article pour le résident en radiologie, comment reconnaître les tumeurs de base, c'est le journal canadien de radiologie. J'ai appelé ça le paradoxe de gliomes infiltrants du tronc cérébral. Pourquoi? La première chose, c'est la tumeur la plus maligne qui puisse exister dans la tête de l'enfant. Le premier point. Mais il ne montre jamais une restriction de diffusion. C'est beaucoup plus malin que le médulloblastome, mais il n'y a pas de restriction de diffusion. Alors qu'on a dit que quand il y a restriction de diffusion, c'est signe de validité. Et il ne montre pas. Il ne montre presque jamais un rehaussement après injection de contraste. Alors qu'on a vu que quand il y a beaucoup plus de cellules, néovascularisation, tout ça, on devait avoir un rehaussement. Et en T2, c'est beaucoup plus blanc. C'est comme si c'était juste l'édème. Alors, et à la fin, c'est la seule tumeur où on ne fait presque jamais de biopsie.
Le diagnostic, c'est basé sur l'imagerie médicale. Et quand on vous dit que vous avez un gliome infiltrant du tronc cérébral, c'est une sentence de mort. C'est-à-dire qu'en moins d'une année, l'enfant va mourir. Voilà pourquoi on l'appelle paradoxe. Tous les signes de gravité ne sont pas visibles à l'IRM par rapport à ce que nous enseignons aux assistants et aux résidents. Ça dépend de comment vous appelez chez vous. Il n'y a pas de restriction de diffusion, il n'y a pas de rehaussement en TDC, pas d'arc. Mais l'imagerie, ça suffit pour appeler ça. Maintenant, il y a des critères pour appeler une lésion DIPG, comme on l'appelle ici. D'abord, il faut que les contours soient bien définis. Les contours sont bien définis. Ça doit impliquer au moins 2/3 du pont dans la coupe axiale, comme on le voit. Il doit y avoir une protrusion en intérieur et ça va en casser, je ne sais pas comment. Ça va enrober l'artère basilaire quand ça va en premier et ça doit être centré au niveau du pont cérébral. Quand vous avez ces éléments-là, il n'y a pas de biopsie. On fait le counseling avec la famille. Je vais atterrir, je vais sauter ça. En conclusion, je voulais sauter ça pour montrer ne fût-ce qu'un cas clinique et puis on va commencer les discussions. Parce que pour ces cas, il y a beaucoup d'informations. C'est mieux d'aller en pratique que de rester théorique. Donc, j'ai dit que 80% des tumeurs de la fosse postérieure sont soit des médulloblastomes, soit des ependymomes, soit des astrocytomes pilocytiques. Les médulloblastomes, toujours, auront une restriction de diffusion. Les ependymomes peuvent ou ne pas avoir une restriction de diffusion. Les astrocytomes n'auront pas restriction de diffusion. Quand un enfant a moins de 3 ans, à chaque fois que vous pouvez évoquer étiatie, pensez aux autres tumeurs embryonnaires, aux médulloblastomes. C'est la même famille. Considérez ça comme des synonymes, quoique sur le plan anatomopathologique et traitement et pronostic, ils sont différents. En imagerie, à moins que vous ayez beaucoup d'expérience, ça sera difficile de les séparer. Pour les gliomes diffus de la ligne médiane, les gliomes infiltrants du tronc cérébral, les diagnostics, c'est à l'IRM. Et quand vous appelez ça comme tel à l'imagerie, c'est une sentence de mort. Et généralement, l'enfant ne va pas survivre à 12 mois qui vont suivre. Je pense m'arrêter là. J'ai conclu. Et bon, je laisse passer les questions ici. C'était juste pour exciter un peu la salle. On va aller au cas clinique, mais je préfère remettre la parole au modérateur. Si à ce niveau-ci, il peut y avoir des commentaires déjà, et c'est à vous de me dire si je dois passer au cas clinique ou bien on discute un peu. À vous la parole, docteur Niamango. Merci. Merci beaucoup, professeur Dadimata, de nous avoir présenté les girafes, comme on les appelle, les diagnostics à ne pas manquer en fosse postérieure chez l'enfant, mais les subtilités radiologiques montrées permettent à ce qu'on comprenne que l'imagerie joue un rôle essentiel pour les diagnostics de ces tumeurs. Mais avant qu'on passe au cas clinique, j'aurais aimé donner un peu la parole peut-être aux cliniciens, si on peut avoir aussi les attentes. Qu'est-ce que les cliniciens attendent de nous quand on décrit une lésion de la fosse postérieure? Est-ce que le docteur Trésor Ngamasata peut nous donner son avis avant de passer au cas clinique? Merci beaucoup pour la parole. Très brillante présentation de cas clinique. On sent vraiment que c'est l'ère de la biologie moléculaire. Donc, je suis très fier de vous, de votre professeur Mata, exposé de qualité. Bah, après, c'est la neuroradio, hein. C'est peu de clinique, peu de. Moi, j'aurais voulu aussi, comme il a dit, qu'on allait discuter sur. Au bout de ça, que les cliniciens, la plupart qui sont au Congo, puissent poser déjà les diagnostics. Pas seulement de tumeur de la fosse postérieure, plutôt dire médule, si c'est un astrocytome, si c'est un ependymome ou un gliome infiltrant, plus parler un peu de scanner, des images qu'on peut avoir facilement au scanner, des kystes, des nodules de solido-kystiques, des choses comme ça, parce que l'IRM n'est toujours pas à la portée de cliniciens ici, surtout au Congo. Donc, j'aurais souhaité qu'il insiste un peu plus côté scanographique aussi que par rapport à l'IRM. Mais sinon, je pense qu'on aura l'échange, on va discuter par rapport aux éléments cliniques. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas à dire grand-chose.
Et puis, je pense que le professeur Léboise doit nous dire un peu sur l'avenue de la biologie moléculaire en RDC. Je pense que ce sont des différentes problématiques qu'on doit intégrer dans notre contexte pour pouvoir évoluer et mieux prendre en charge ces enfants. On sait le voir, ils ont des regards hagards, on ne sait rien faire, surtout pour des gliomes infiltrants. C'est très dur d'annoncer aux familles que la mort attend votre fils ou votre fille. C'est très, très difficile. Ah, voilà, je pense qu'il a, passé par François au scanner sur les cas cliniques. Donc, merci beaucoup et on est là pour la suite. Merci bien. OK, merci, docteur Trésor. Nous allons passer la parole au docteur Jean-Pierre Kankou qui demande la parole. Docteur Jean-Pierre, vous avez la parole. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Je remercie encore une fois le professeur Mata pour son exposé, la clarté de ce qu'il nous enseigne. Et ici, il a abordé les tumeurs de la fosse postérieure, les quatre tumeurs, je crois, les plus importantes qu'on retrouve chez l'enfant, en insistant sur la sénologie IRM aussi, qui nous permet déjà de savoir si une tumeur est maligne ou pas. À l'époque où moi, je commençais en radio, je me ressens, c'est encore valable, ou en tout cas, jusqu'à présent, je fonctionne comme ça. Ces quatre tumeurs, le méduloblastome, se développe surtout au niveau du vermis. Mais j'ai vu qu'il a donné quelques cas où peut-être c'était un peu à côté, mais c'est surtout le vermis, et que l'astrocytome pilocytique était surtout dans l'hémisphère cérébelleux. Et l'ependymome dans le quatrième ventricule et les gliomes infiltrants qui est là, donc au niveau du tronc. Je ne sais pas si cette approche et qui paraît peut-être simpliste, est toujours valable pour vous aujourd'hui avec les progrès que vous nous avez présentés. Oui, en fait, c'est pourquoi j'ai commencé avec les méduloblastomes et par rapport aux localisations que vous avez mentionnées dans votre question, on a vu que les différents types de méduloblastomes pouvaient se développer à partir de cette localisation-là. Quand on prend les Sony Hedgehog, c'est ce qu'on voyait, c'est ce qu'on appelait les types desmoplastiques. C'est ce qui venait du cortex, même du cervelet. Mais quand on prend le groupe 3 et le groupe 4, ça provient principalement du quatrième ventricule comme soi. Et quand on prend le wingless, ça vient au niveau des pandémies. Et le Sony Hedgehog et le wingless sont faites des cellules de signalisation qui sont là sur le plan biologie moléculaire et cette tumeur-là se développe chez eux. Parce qu'ils ont des cellules précurseurs, ils ont des cellules qui puissent permettre leur développement par rapport à ces localisations. C'est les ependymomes qui proviennent des enveloppes internes de ventricules, sont généralement soit dans les quatrièmes ventricules, soit au niveau des récessus au niveau latéral ou bien au niveau des trous de Purkinje. Et les astrocytomes peuvent provenir de partout aussi. Qui a posé la question, c'est peut-être en termes de proportion, c'est la plus grande proportion que je vois ici, ce sont les astrocytomes pilocytiques. Et comme c'est des tumeurs de bas grade, voilà pourquoi peut-être que Dieu a permis qu'il n'y ait pas trop de morts. C'est peut-être en termes de proportion le plus gros groupe. Donc, la localisation par rapport à ces trois contingents-là, moi, je parle beaucoup plus actuellement quand on enseigne aux assistants. Comme on va le voir avec les cas cliniques, partez de la densité au scanner et de la présence sur des diffusions, tenez compte moins des localisations, vous serez toujours, à plus de 90% des cas, vous serez correct dans les diagnostics différentiels. Oui, c'est ça que je trouvais très intéressant dans cet exposé, parce que peut-être moi, je suis de la vieille école, je continuais plutôt à raisonner en termes de localisation pour pouvoir au moins approcher un diagnostic. Mais bon. Oui. Et en plus de cela, quand la vieille école, il n'y avait pas encore les images en diffusion. D'accord. Ça, c'est une séquence qu'on a développée. Je ne sais pas si ça fait déjà 15 ans, 20 ans, je ne pense pas. C'est une nouvelle séquence. Et puis, il y a beaucoup plus d'études maintenant. Par exemple, il y a des études qui montrent que dans beaucoup de tumeurs, par exemple, nous-mêmes, il y a un papier qu'on va publier bientôt dans American Journal of Radiology. On a trouvé que dans le méduloblastome, on n'a pas besoin d'injecter, même à l'IRM, en tenant compte seulement des images en diffusion,
on peut faire un compte rendu avec un diagnostic précis. Et on a trouvé le, comment la accuracy, je ne sais pas comment on appelle ça encore en français. On est correct à plus de 96% des cas, sans injecter. Quand le papier sera publié, je vais vous envoyer ça. Donc, l'image en diffusion, ça vient révolutionner beaucoup de choses. Okay. Merci, professeur. Est-ce que vous pouvez continuer directement avec les cas cliniques et puis les discussions viendront après? OK. Je vois que le prof Lebois n'a pas encore pris la parole. Je présente ce cas clinique, ça donnera beaucoup plus d'arguments. Et oui, avant de commencer... Vous voulez lui donner la parole? Oui. Oui. Vous voulez lui donner la parole après les cas cliniques? OK. Premier cas, j'ai appelé ça Kisangani, juste pour enlever les données cliniques des patients. Comme la présentation sera postée sur YouTube, je ne voulais pas que le nom du malade correct soit pas. Donc, c'est un malade qui s'appelle Kisangani. Il a 3 ans. Il s'est présenté aux urgences pour des vomissements postprandiaux et irritabilité. On a fait le scanner. Ça, c'est le scanner. On va faire ça interactif. Les gens peuvent écrire dans les chat box si vous avez une réponse. Ça, c'est le scanner. Pour faciliter la tâche, je divise ça en 3. J'amène ceci là, l'autre ici. J'amène ça comme ça. Je fais comme ça et je multiplie, je fais ça. On est à la fosse postérieure, je fais ça. Sur base des densités, c'est ça notre tumeur. Elle est là, 4e ventricule, elle est là. Vous pensez que c'est méduloblastome, ependymome ou bien astrocytome? Sur base, c'est ce que nous avons dit. Très bien. Ouais. Tu vois, docteur Ngamasata, docteur Midia. Oui. Donc, ça. Oui. Donc, notre lésion, elle est beaucoup plus blanche que le cerveau. Je peux même faire ça comme ça. Changer un peu de fenêtre. Vous voyez? C'est aussi, voire beaucoup plus blanche que le cerveau. Je peux même mesurer la densité là. Et regardez, ce malade a déjà de l'hydrocéphalie. Les ventricules sont dilatés. Pourquoi? Parce que cette lésion va empêcher le passage du liquide céphalo-rachidien. Et pendant que le malade est là, quand on voit ça directement, on passe à l'IRM. Je vois quelqu'un qui appelait ça ependymome. Il n'est pas totalement à côté. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai dit que c'est presque la même couleur ou légèrement plus. Si on considère que c'est la même couleur, le diagnostic différentiel, c'est l'ependymome qui vient. Si on considère que c'est beaucoup plus blanc, le diagnostic différentiel, c'est le méduloblastome. Mais quand je viens ici, je suis beaucoup plus convaincu que c'est beaucoup plus blanc que le cerveau d'à côté, donc j'appelle ça ependymome. On va passer à l'IRM de ce malade. Et ici, vous allez voir une chose. Ça, c'est l'image en diffusion. Je vais mettre la carte et d'ici là. Et je vais mettre post-contraste, l'image en T1 injectée, je mets ça là. Deuxième question. Sommes-nous convaincus que c'est méduloblastome ou on change d'approche? Qui est convaincu que c'est méduloblastome toujours? Je vois professeur Fomekan, il a changé. Donc, on trouve qu'en diffusion, c'est beaucoup plus blanc que les cortex ici. Et quand vous venez à ADC Map, ça, c'est beaucoup plus noir qu'ici. Ça nous montre que c'est méduloblastome. Mais c'est de quel type de méduloblastome? Souvenez-vous, on a parlé des types de rehaussements. C'était les groupes 4 qui rehaussaient presque pas. Regardez ici, une bonne partie des tumeurs ne prend pas le produit de contraste. Et comment différencier? On a vu que les wingless, c'était beaucoup plus en latéral, donc ce n'est pas les wingless. On a trouvé que les Sony Hedgehog, c'était beaucoup plus au niveau des cortex, ce n'est pas Sony Hedgehog. On a trouvé que les groupes 3 et les groupes 4, c'était dans le 4e ventricule. Et les groupes 3 donnaient les métastases tôt
Ici, malgré la grande taille des tumeurs, on n'a pas de métastases. Et les groupes 4, ça rehausse moins. Et ça rehausse moins. Donc, ça, c'est un cas de médulloblastome des groupes 4. Et regardez cette image ici. Ça, c'est une question de partout. Que vous soyez au Congo, comment les contraintes financières nous font défaut. Quand vous avez une masse au niveau du cerveau, on ne termine pas l'examen sans examiner la colonne. Quand vous avez une masse au niveau de la colonne, on ne termine pas l'examen sans examiner la tête. Pourquoi? Parce qu'une masse qu'on trouve au niveau de la colonne, ça peut juste être une métastase qui est tombée d'une tumeur qui est au niveau de la tête. Tout comme quand on a une masse au niveau de la tête, les médulloblastomes, les ETRT, les étampes, ce sont les tumeurs de très, très haut grade. Ce n'est pas rare qu'au diagnostic, qu'on ait déjà des métastases au niveau de la colonne. Donc, quand vous avez la masse, il faut faire l'examen de la colonne, comme ça a été le cas pour ce patient. Et la colonne était négative. Il n'y avait pas de métastase au niveau de la colonne. Donc, bref, c'est un enfant de 3 ans qui est venu dans un tableau de vomissement. Sachez que pour les tumeurs de la tête, supra ou infratentorielle, surtout infratentorielle, là où il y a le blocage de passage du liquide céphalo-rachidien, ces enfants-là vont venir avec les signes d'augmentation de la pression intracrânienne. Ça peut être l'œdème papillaire, les vomissements, les maux de tête. Généralement, à partir des symptômes, c'est différent, c'est difficile de les différencier. Pour la plupart des cas, c'est l'examen de radiologie qui vous donne le diagnostic. Donc, c'est un enfant de 3 ans qui est venu avec les vomissements répétitifs postprandiaux, qui a montré une tumeur qui était beaucoup plus dense que le cerveau adjacent au scanner. Et on a fait l'IRM, il y avait restriction des diffusions. Le rehaussement nous a permis de donner les sous-types moléculaires qui étaient le groupe 4 et l'examen de la colonne n'a pas montré de métastase. Est-ce qu'on peut discuter ça? Questions, commentaires pour ce cas ici? Professeur Mata. Oui. Bonsoir. En tout cas, je suis enchanté par la présentation. C'est très bien. Merci. Je vais faire un petit commentaire. Oui. En radiologie, je pense que nous n'avons pas beaucoup de, disons, d'inquiétude à se faire quand vous êtes en train de présenter. Mais je pense qu'il faut que nos jeunes collègues aient l'habitude de faire un examen neurologique complet. Parce qu'en fait, quand vous avez un enfant, même déjà un enfant de 3 ans, il marche déjà. Alors, quand il y a ce genre de, disons, de lésion, très certainement, il va présenter au niveau de la démarche une ataxie tronculaire. Et bien sûr, il va présenter une hydrocéphalie. Ça, c'est un fait avec, des complaintes de maux de tête parce qu'il s'est déjà parlé. Mais ces éléments-là déjà font penser aux cliniciens que il a une lésion au niveau, comme a dit tantôt le docteur Kankou, et j'ai beaucoup aimé son commentaire. C'est un enfant qui a sûrement une lésion au niveau de la ligne médiane, compte tenu de son âge, donc il est à cheval entre ou un médulo ou un astrocytome. Alors à ce moment-là, quand vous intervenez, bien sûr, il n'y a plus de débat. L'élément le plus important, je pense, pour le moment, c'est la biologie moléculaire. Parce qu'en fait, elle donne les éléments de pronostic et elle aide en fait aux chirurgiens ou aux cliniciens quand on doit faire, disons, quand on doit avoir l'entretien avec les parents. On essaie bien sûr d'être très, très humain, très gentil, on n'est pas très brutal et on fait voir, n'est-ce pas, aux parents les possibilités, pas tellement de survie, mais le temps de vie qui reste à l'enfant. Et je pense que c'est là qu'on peut avoir un débat. Est-ce qu'il vivra 6 mois, il vivra 1 an? Tous ces éléments, je pense qu'il faut, il faut en tenir compte. Mais moi, j'insiste personnellement, quand on remplit un banc de radiologie, demander juste un scanner cérébral ou une résonance magnétique, en tout cas là où moi j'ai été formé, on n'exécute pas ce genre d'examen. On vous dit, il faut que tu nous donnes d'autres éléments, l'âge, le sexe, les éléments cliniques. C'est ça le commentaire que je voulais faire. Merci beaucoup, cher René. Docteur Nemabo, c'est vous qui avez la police du débat. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de questions. On peut continuer avec
On prend le deuxième cas. Le deuxième cas, oui. Deuxième cas, vous voulez un cas simple ou bien beaucoup plus compliqué? OK. On prend... Je prends celui-ci. Le public est mixte, hein? OK, je prends... Dans notre milieu, quelle est la classification du groupe moléculaire? OK, ça, on va rentrer sur ça. Je vois la question du docteur Peter Mutombo. Je prends d'abord ce cas. Et puis... Sonia, ce malade, je l'ai appelé PIMPC. OK, je commence par le début. Qu'est-ce qu'on nous dit? Trois ans, maux de tête depuis un mois, trouble de la marche. Le docteur Katumba vient nous parler de ça. Et tombe à peu près cinq fois. A tombé à peu près cinq fois dans le passé, amené aux urgences avec notion d'arrêt cardio-respiratoire, résisté aux urgences, scanner demandé pour exclure hémorragie ou masse dans la tête. Et ici, je vous montre ces cas ici, cet IRM ici n'a pas été injecté. Même le tout premier IRM n'a pas été injecté. Pourquoi? Parce que chez l'enfant, contrairement à ce qu'on fait chez l'adulte, on essaie dans la mesure du possible d'éviter de scanner deux fois. Si tu dis que vous voulez exclure une tumeur, vous me dites ça dès le début, je fais un scanner injecté du coup. Si vous me dites que, OK, on veut exclure l'hémorragie, il y a d'autres lésions ischémiques, tout ça, je fais non injecté. Et quand je trouve une masse, je passe à l'IRM directement. Mais au pays, si l'IRM n'est pas là, on peut faire avant et après injection. Mais si c'est un examen ici, ne dites pas que non, je vais scanner deux fois. Non. Ça, c'est la tumeur. La règle est d'or. La masse, elle est là. Quatrième ventricule. Vous pensez c'est quoi? Méduloblastome, astrocytome ou bien ependymome? Je peux mettre ça comme ça aussi. Quelqu'un a montré la main, docteur Mika? Je pense d'abord à un ependymome. OK, pourquoi? Il n'y a pas de fausse réponse, hein? On essaie de comprendre ce sujet. Je trouve qu'il est directement dans le quatrième ventricule et avec rétentissement sur les autres ventricules. Donc, je vois le troisième et les latéraux qui sont dilatés. OK. Il y a trois autres personnes. Il y a docteur Mutombo Peter, il y a docteur Mirindi, il y a docteur Katumba et docteur Jean-Baptiste qui ont dit le contraire et tous la même réponse. Ils ont appelé ça astrocytome et ils ont raison. Pourquoi? J'ai dit, on doit comparer. Regardez les cortex ici, c'est beaucoup plus blanc. La tumeur, elle est moins blanche. Mais là où vous n'avez pas totalement tort, c'est le fait que j'ai dit que dans les groupes ependymomes, on a deux sous-groupes, des grades 1 et des grades 2. Des grades 1, ils n'ont pas de restriction de diffusion, ça peut être aussi noir que ça. Mais quand j'ai des kystes comme ça associés, parce que ça, c'est une masse qui en soi est moins dense que les cortex, mais à côté, ce que je vois, ce n'est pas le liquide céphalo-rachidé qui est comment puis en sandwich, non. Ce sont les kystes dans la masse. Et ce qu'on voit, c'est l'hydrocéphalie. Pourquoi on appelle ça hydrocéphalie pour les jeunes? Les ventricules sont très dilatés. Regardez, entre les cortex et l'os, il n'y a plus d'espace normal. Normalement, on doit avoir le liquide céphalo-rachidien qu'on ne voit pas. Et normalement, on a des sillons au niveau du cerveau qui sont plus visibles. Et quand vous voyez les ventricules à côté, il y a comme des plages noirâtres qui font comme des chapeaux sur la tête ici. C'est ce qu'on appelle l'édème transépandimère. C'est-à-dire qu'il y a des liquides qui est, bon, il y a beaucoup de théories. La théorie la plus vieille, c'est que le liquide qui est ici, qui ne s'est pas drainé à travers les voies normales, essaie d'aller à travers la paroi. Mais il y en a qui parlent maintenant de voies lymphatiques du cerveau qui auraient une perturbation. Je vous épargne de tout cela. Maintenant, on passe à l'IRM. Ça, c'est notre IRM. Ça, c'est l'image en diffusion. On va chercher la,
4. Et d'ici, j'espère qu'il y en a ici. Je viens de passer ça quelque part. Ça, c'est notre T2. Vous voyez le T2, comment c'est blanc? Vous vous souvenez encore, quand c'est beaucoup plus noir, c'est la signe de malignité. Et ça va toujours de pair. Il n'y a pas de restriction. Et ici, on trouve quoi? On trouve que c'est beaucoup plus blanc. Et quand on voit la carte et d'ici, ça c'était de... Oh, j'ai vu ça ici. C'est pas vrai. Ça c'est la carte et d'ici. Et puis je vais prendre la séquence injectée. Je prends ça carrément comme ça on voit les deux. C'était pour la première fois qu'on fait cet examen ici. On a fait également la colonne. Qu'est-ce qu'on voit? Quand vous regardez l'image en diffusion, c'est moins blanc que le cortex. Et quand on vient à la carte et dit si c'est beaucoup blanc que c'est le cortex, c'est l'inverse de la malignité. Et en plus, on a ce changement kystique ici. Ici, on s'en fout de la localisation. Par exemple, là, on le voit en plein quatrième ventricule, mais ce sont les caractéristiques de l'imagerie qui nous disent que ça, c'est une tumeur bénigne. Et nous avons la règle des trois, une tumeur qui montre l'absence de diffusion comme ça et très... un hypersignal en T2, c'est l'astrocytome. Et regardez ici, ça c'est injecté. Le T a injecté de la tête, mais la colonne a été faite. Pour la première fois quand on examine ces malades, peu importe, les astrocytomes pilocytiques à plus de 99,9% n'auront pas le métastase. Même alors, quand je suis convaincu que c'est l'astrocytome pilocytique, je fais toujours la colonne pour exclure les métastases. Et qu'est-ce qu'on revoit ici? Ça c'est le syrinx. Et pour qu'on ait les syrinx, regardez si l'obex est déjà fixé. Donc, l'une tumeur qui se trouve là, qui bloque toutes les voies de passage des liquides céphalo-rachidiens, il y aura un trouble dans la circulation des liquides céphalo-rachidiens qui est impliqué dans le développement des syrinx. Donc, le fait qu'on ait fait la colonne, ça nous montre aussi le syrinx. Commentaire? Question? Je ne vois pas de main levée. Docteur Tati, tu as la parole, tu peux poser ta question. Ok, bonsoir, je pense que vous m'écoutez. Très bien. Oui, très bien. Ma question est celle-ci parce que par rapport à l'IRM, je pense que... il n'y a que 3 ou 4 séquences que le prof Matt nous montre, donc la diffusion. La carte ADC, le TD et la séquence après injection. Est-ce que ce sont les 4 séquences phares ou les autres séquences sont aussi importantes pour la caractérisation des tumeurs de la fosse postérieure pour les enfants? Très bien, excellente question. Et j'ai été troublé parce que je fais ma radiologie, bon, j'ai fait une année à l'UQI et je fais 8 ans au Japon. Au Japon, on avait 6 machines d'IRM et la plus vieille machine avait 10 ans d'âge. Alors, quand je suis arrivé ici, au Canada, à l'hôpital de Sick Kids, et au Japon, on faisait tout, perfusion, image en spectroscopie, tout ça spectroscopie par IRM. Mais ici, à l'hôpital de pédiatrique de Toronto, c'est peut-être parmi les 2 meilleurs hôpitaux pédiatriques en Amérique du Nord, voire au monde, ils ne font pas beaucoup confiance aux images de perfusion ou de spectroscopie. Avec ces 4 séquences qu'on a montrées ici, on est en mesure à plus de 80% de données diagnostiques histopathologiques chez l'enfant. Voilà pourquoi je ne montre pas beaucoup d'images poussées, contrairement quand on a parlé des tumeurs supratentoriales chez l'adulte. Donc, quand vous avez bien analysé votre image en diffusion, le T1, T2. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, je pense que, qui a posé la question sur l'importance de l'image en flair après injection. C'est très important aussi, parce que ça nous montre beaucoup plus clairement le métastase leptoméningé. C'est très important, on le fait, c'est dans notre protocole. Mais comme les cas que j'ai présentés n'avaient pas de métastase leptoméningé, voilà pourquoi je n'ai pas montré ces séquences-là. C'est très important. Donc, avec les séquences de base et avec le scanner, on doit être capable de donner les diagnostics histopathologiques dans plus de 60%. Et si on part seulement avec le scanner, on doit être capable de dire.
Quelqu'un me demande c'est quoi syrinx, c'est la syringomyélie. C'est le fait qu'il y a un kyste qui se développe en plein moelle épinière, ce qu'on appelle syringomyélie. C'est-à-dire c'est des lipides céphalo-rachidiens qui forment un kyste là-bas. Ça peut être très, très long. Et vous savez, avec la décussation qui s'est faite à ce niveau-là, les patients peuvent se présenter avec des symptômes au niveau du membre. Je pense que les neurochirurgiens peuvent nous en parler dans leurs commentaires. Une autre question, bien, je montre l'autre cas. Bon, je ne sais pas si le professeur Leboise a un mot à dire, sinon on lui passe la parole. Oui, merci de me donner à vous, professeur Gadimata. Merci et bravo hein, pour les topos toujours clairs et beaucoup d'éléments nouveaux. Et à ce stade ici, mon intervention peut-être répondre à ce que le docteur Trésor Gamassata a posé comme problème. Vide de l'apport de la biomole en cancérologie aujourd'hui en RDC. Mais avant peut-être de répondre à la question du docteur Trésor, je voulais dire aux autres, en fait, à celles et ceux qui nous ont rejoints dernièrement, que nous sommes à la 4e séance et lors de la première, j'avais fait un topo, j'avais montré déjà la différence entre la classification 2016 et celle de 2021, en insistant sur le fait qu'actuellement, on met l'accent sur l'apport de la biologie moléculaire. Et c'est l'exercice de ceux qui savent un peu notre parcours. Nous sommes en train de faire, ça fait plus d'une décennie qu'on est rentré au pays, on fait un effort d'expliquer que surtout aujourd'hui, en matière de cancérologie, seul le diagnostic morphologique ou associé à l'imagerie suffisante, il faut absolument associer des aspects moléculaires parce que j'en ai parlé déjà lors de la dernière séance, hein, nous sommes à l'ère de médecine 5T. L'île de T, c'est la médecine prédictive, hein, les 5 P, donc personnalisée, préventive, prédictive, participative et basée sur les preuves. Mais médecine prédictive veut dire qu'il y a moyen en amont de donner, de savoir les chances de réussite de traitement d'une tumeur particulièrement en fonction de la signature moléculaire de la tumeur. Donc, il est hyper important que nous insistions sur ces aspects. Et que les jeunes qui nous encadrent, les apprenants, comprennent ça comme vraiment des standards. Il faut absolument qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre en charge une tumeur maligne sans savoir, sans l'apport de la biomole. Alors, pour revenir à la question, je vais chuter par là, la question du docteur Damasata. Oui, Trésor, il faudra faire peut-être un effort qu'on s'échange. Je vais juste te donner un exemple. La recherche de BRAF, le V600-I, c'est fait aujourd'hui en clinique universitaire par le CNC. Donc, on a l'anticorps et on a le traitement, la molécule anti. Nous avons le Vimiasulu. Donc, il faut qu'on échange parce que l'anti-PD-L1, on fait quand même un effort de suivre. C'est vrai que le centre est tout jeune, mais on essaye d'apporter comme ça l'innovation. Le traitement le plus pointu possible en termes de thérapie ciblée, en termes d'immunothérapie, aux personnes vivant avec du cancer en RDC. Donc, on est au point, c'est vrai que c'est encore jeune, mais nous essayons de suivre et on fera un effort parce qu'il n'y a pas de double standard. Et je ne peux pas, voilà, c'est pas ce que le président Macron nous a dit ici. Il n'y a vraiment pas de double standard. Les standards restent les standards. On réfère la médecine aux standards, il faut suivre. Il faut suivre les classifications actuelles, il faut suivre les traitements qui sont, n'est-ce pas, vraiment à la pointe pour donner la même chance aux patients congolais que les patients d'ailleurs. Voilà un peu mon apport à ce stade de débat et puis on verra à la suite. Merci. Merci, professeur, pour l'intervention. Nous allons continuer avec les deux derniers cas cliniques et puis on va s'arrêter. Okay, professeur Mata, vous avez... Oui. Je dois trouver les cas et puis je vais remettre le partage. Okay. En attendant, s'il y a des questions, vous pouvez poser. Oui, je vais montrer ça, New Patients. Et puis, je dois fermer les autres masques. Je repartage l'écran. Oui, est-ce que je peux poser une petite question? Oui, oui. Allez-y, docteur Jean-Baptiste. Mais,
Docteur Katumba. OK. Oui, j'avais une question rapidement. Quel est le devenir de cet enfant? Parce qu'à un moment, j'ai perdu la connexion. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu même une invagination des amygdales cérébelleux. Professeur Mata, quel est le devenir de cet enfant? En vie et en forme, parce que l'enfant a été opéré le même jour. Ah, OK. On a enlevé la tumeur, on a fait tous les traitements. Je pense que les cas que je vous présente, l'enfant a 15 ans depuis c'est 15 ans depuis qu'il a été diagnostiqué. C'est bien. Merci. Ah. Oui, est-ce que je peux poser une petite question très rapidement? Allez-y. Oui, dites-moi un peu. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles au pays, tout ça, mais est-ce que vous avez une idée, n'est-ce pas, du profil épidémiologique des enfants qui présentent des tumeurs de la fosse postérieure? Est-ce que ce sont plus des filles que des garçons? Ils sont dans quelle tranche d'âge? Et puis, quel est le type de... Disons, quel est le profil biologique que vous avez plus souvent rencontré? Alors vous dites pour le Canada? La question est adressée au professeur Bienvenu de Boas. OK. Ah oui, la question est adressée au profil des enfants avec des tumeurs à la fosse postérieure. Cher monsieur, pour moi, honnêtement, vous savez, le point faible, je vais dire, dans notre pays, c'est le fait qu'on n'ait pas de registre de cancer, vous savez. Mais on a quand même la particularité ici, ici aux cliniques universitaires, on a une unité d'oncologie pédiatrique qui marche. Ça fait une vingtaine d'années, le prof Guy les dirigeait, aujourd'hui c'est R&D, professeur Guillaume qui prend le lead avec le docteur Aléine et Domo et Karim, que j'ai salué en passant si jamais ils sont en ligne. Donc nous faisons un effort pour que nous puissions avoir des registres et pouvoir les monter. Mais de façon générale, les tumeurs, vraiment de la fosse postérieure, comme vous le savez, un méduloblastome, c'est des pronostics sombres. Souvent, ces enfants-là, ça arrive tard et puis on perd. De façon générale, les tumeurs pédiatriques, les deux dernières années, on a eu autour d'une centaine. On a présenté la FSAC dernièrement, une centaine de cas, toutes les tumeurs pédiatriques confondues. Et la part des tumeurs neuro, donc ça n'excède pas 10%, parce que vous savez, souvent, on perd ces enfants. Où ils sont soignés pour autre chose et on tient difficilement le registre. Quels sont les gens, les genders, la proportion, est-ce qu'il y a plus de jeunes? Ça, c'est un travail peut-être qu'on pourra faire ensemble avec vous, si vraiment ça vous intéresse. On est très ouvert, on pourra réduire. Mais soit dit en passant, je termine par là. Donc, nous avons une RCP, de réunion de concertation pluridisciplinaire, oncopédiatrie, de façon générale, générique. Ce n'est pas que du neuropédiatrie. En copédiatrie, chaque mercredi, de 12h à 13h en AMAPAC. Et c'est à l'issue de ces RCP que les traitements sont codifiés, retenus et prennent part à cette RCP. Il y a les oncopédiatres, il y a les radiologues, dont le professeur Louis et Frédéric prennent part, le professeur Moloaou aussi et Serge Maléga. Il y a, nous, les AMAPAC, il y a des radio-oncos et il y a la communauté congolaise, surtout en Afrique du Sud, où ils sont en Zoom. Donc, vous êtes les bienvenus, peut-être en participant. On pourra partager les liens le mercredi prochain pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se fait au pays. C'est encore un début, c'est encore une ébauche, mais ça prend déjà forme. Et moi, je suis sûr que d'ici très, très peu, 3, 4, 5 ans, on pourra avoir quelque chose qui marche. Voilà ce que je peux dire à ce stade. OK, merci. Merci. Merci, professeur. Professeur Dadi Mata, vous avez la parole. OK, là, je présente les deux derniers cas. Et puis, on va passer à la discussion et puis on va finir. Ça, ce patient m'a dit, 20 mois, il présente l'ataxie et trouble de balance. Amené aux urgences, on fait le scanner, ça nous montre ça. Ici, qu'est-ce que nous avons? On m'écoute. Nous avons une tumeur quatrième ventricule, on la retrouve ici. Qu'est-ce que vous dites? Méduloblastome. Astrocytome ou bien impendiment. Voilà, qu'on vous réponse jusqu'à là. On écrit dans le chat, docteur Migabo. Pendant qu'on attend les réponses, docteur Mika, pour distinguer Sirongomyélie par rapport aux métastases, sirongomyélie, c'est juste kystique, il n'y a pas de rehaussement.
les métastases vont rehausser. Donc, comme on a dit, c'est le pandimon, pourquoi? Regardez, c'est isodense par rapport au cortex. On a dit astrocytome serait moins blanc que ça, méduloblastome serait beaucoup plus blanc que ça. Donc ici, nous avons affaire à un ependymome. Et quand vous allez en bas, regardez, ça a tendance à aller au niveau des trous de Lushka à droite. Et on a fait l'IRM. Qu'est-ce que nous avons trouvé? L'image en diffusion. Même en diffusion, ça suit presque la même logique. Regardez, ce n'est pas aussi blanc que ça, mais ce n'est pas aussi noir qu'on l'a vu avec l'astrocytome. Et quand on met la carte, et en T2, ça c'est le rehaussement, le T1 injecté, ça ne rehausse pas vraiment. Et quand on prend la carte, regardez, il n'y a pas de diffusion, comme on peut le voir ici. Et ces malades, dépendamment, il faut généralement des métastases, donc on doit faire la colonne absolument. Si on ne le fait pas, c'est une erreur. Et pour finir, je prends le dernier cas et puis on va passer à la discussion. Ça, pour dire que tout n'est pas toujours new. Et on va rentrer là. Je rentre current patients. Et puis, on a ça les deux. Maintenant, c'était quoi la clinique ici? 14 ans, maux de tête depuis des mois, exacerbé par la position couchée. Le patient présente l'apnée du sommeil et il a des kystes pancréatiques détectées et au scanner, à l'IRM et à l'échographie. L'IRM de la tête pour exclure métastase, malformation vasculaire ou bien masse. Et regardez, l'examen a été d'emblée injecté. Parce que la question était claire, on cherchait une tumeur. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y a cette masse ici, qui rehausse. Malheureusement, avec ça, on ne sait pas suivre la loi de couleur, comme on a dit, parce que les scanners où on compare les couleurs, c'était beaucoup plus les scanners non injectés. Mais ce qu'on trouve ici, c'est caractéristique. De toutes les tumeurs qu'on a vues, il n'y a aucune tumeur qui avait de feeding artery, comment des artères nourricières aussi prominentes que ça. Regardez, très blanc, très, très rehaussé. Et quand vous allez en latéral, en plus de la tumeur ici, il y a une lésion qui rehausse encore là. Qui a un diagnostic pour ça? Et regardez l'édème au niveau de tronc cérébral. Quelqu'un a un diagnostic pour ça? Le malade a un kyste au niveau du pancréas. Je vais donner un autre élément qui doit faire sauter le diagnostic. Il a un syndrome de von Hippel-Lindau. Un hémangiome? Hémangioblastome. Hémangioblastome. Oui, ça, c'était un cas d'hémangioblastome. Et quand vous venez à l'IRM, vous voyez quoi? Ça, c'est la restriction. Il n'y en a pas. Et d'ici, il n'y a pas. En T2, regardez l'image ici, beaucoup d'édèmes. Ça n'épouse pas les trois cas que nous avons vus. Pour dire que tout, à plus de 90, environ 80% des cas, ça sera les trois tumeurs que nous avons suspensionnées. Mais il ne faut pas oublier les autres étiologies qui peuvent aussi être présentes. Et à l'IRM, on a vu ici, on va voir la colonne, ça, la colonne. C'est la présence de la petite lésion ici qui a fait mentionner l'hémangioblastome. Et vous vous souvenez encore quand on a parlé de l'hémangioblastome, l'image c'était une grosse masse kystique avec un petit noyau attaché à la paroi. Et on a dit que le contour de la partie kystique ne rehaussait pas. Mais ici, le diagnostic, c'est moi-même qui ai lu ça et j'ai pensé à l'astrocytome parce que l'hémangioblastome, c'est vraiment rare aussi par rapport aux tumeurs qui sont le plus prédominantes, c'est l'astrocytome. Donc, dans mon diagnostic, j'ai appelé ça astrocytome et c'était une erreur. Quand l'histopathologie est venue, c'était l'hémangioblastome. Heureusement, sur base de
de la force, les rehaussements qui étaient très élevés. On a dû emboliser avant la chirurgie, donc le patient n'a pas saigné. Pour dire que même ici, on se trompe et tout ne sera pas en ordre. À plus de 90% des cas, on a le diagnostic, mais par moment, bien que rare, on a toujours besoin de collecte de la confirmation histopathologique. Donc là, on a fini avec les cas. Maintenant, on peut discuter. Les questions peuvent fuser de toutes parts. Pas seulement moi. On a Dr. Ngamasata ici. On a le prof de Boisé. Même Dr. Raf Mabo. Il fait aussi de la neuro. Ils peuvent répondre. Merci. OK. Merci, professeur, pour l'exposé et aussi pour les cas cliniques. Nous avons eu assez de nouveaux éléments pour affûter encore dans l'avenir nos diagnostics en imagerie. Nous allons attendre maintenant les questions. Je ne sais pas s'il y en a encore. Docteur Jean-Baptiste, est-ce que tu as une question? Parce que je vois ta main levée. Oui, j'ai une question. Moi, bon, ce n'est pas une question, mais c'est une forte appréciation de ce... Non, une forte. J'apprécie beaucoup ce que le professeur et Manta et tout le staff présent sont en train de faire. Parce qu'il y a une question cruciale sur les tumeurs de la fosse hébat postérieure chez les enfants, dont le diagnostic pose énormément de problèmes ici en RDC précisément. J'ai personnellement eu une expérience, malheureusement, qui s'est terminée positivement. J'ai eu une fille de 4 ans, précisément de 9 ans, qui était suivie avec un diagnostic de départ d'une tumeur de la fosse hébat postérieure, plus précisément du tronc cérébral, comme étant une tumeur intra-axiale du type astrocytome, plutôt pas astrocytome, glioblastome. Elle a été traitée dans ce sens-là, mais lorsque moi je la revois pour un contrôle, ça me tique. Je discute avec le neurochirurgien qui l'a suivi à l'époque. J'avais des éléments cliniques, en fait, comme on dit que la clinique est une partie du diagnostic en radiologie. J'ai suivi même une personne qui a pris la parole précédemment. Il est important de bien donner les détails cliniques. C'est très important, surtout chez les enfants. Alors, dans le bon que j'avais reçu, il y avait une notion de comptage tuberculeux dans la famille. Et comme par hasard, j'avais reçu la tante de la fille qui était VIH positif. Lorsque je reçois la dame, l'enfant plutôt, comme par hasard, je fais mon scanner. Pour moi, j'ai trouvé que ce n'était pas une tumeur intra-axiale, mais plutôt ça faisait une infection. Et alors, il y a eu un grand débat entre moi et le chirurgien. Le chirurgien déjà va appeler, le neurochirurgien va appeler la famille. Il avait dit que c'était ça, son expérience lui donnait raison. Et qu'il ne fallait rien faire pour l'enfant, il fallait attendre que l'enfant puisse décéder. Et moi, je dis non. Pour moi, j'ai deux éléments qui doutent. Il y a un, bon, il n'y avait pas de bombement du mur postérieur, parce qu'en cas de tumeur du tronc cérébral, il y a un bombement du mur postérieur qui va jusqu'à comprimer le quatrième ventricule. Le mur postérieur était bien en place, mais la lésion était bien visible et se rehaussait intensément après injection de produits de contraste. Alors, c'était un débat houleux. Nous nous sommes même rendus au centre Nganda, là où c'est le centre attitré pour faire la radiothérapie, parce que l'enfant, finalement, ils avaient pris cette option-là. Je suis arrivé à un moment où j'ai dit que je mettais ma main à couper. Et par sagesse, on a revu le cas et tous les éléments plaidaient en faveur de mon diagnostic. Avec que c'était un tuberculome, en fait, parce qu'il y avait une notion de contage de tuberculose dans la famille. Et la fille était proche de sa tante qui était atteinte du VIH. Et après un schéma antituberculeux, l'enfant sort du coma, l'enfant s'est réveillé, l'enfant s'est mis à courir. Et j'ai eu une discussion après. Je me suis dit, mon Dieu, merci, mais cette fille, elle va être mise sous radiothérapie, chimiothérapie, et c'est être lourd pour elle et c'est être catastrophique. Mais la leçon à tirer, c'est quoi? Nous devons faire de plus en plus ce genre d'activité pluridisciplinaire où on associe des neurochirurgiens, des radiologues, pour que nous puissions connaître les vrais diagnostics, poser plutôt les vrais diagnostics, surtout chez les enfants, parce que la tumeur de la fosse hébat postérieure pose encore d'énormes problèmes de diagnostic dus au manque de matériel criant ici en RDC. Et je suis vraiment content que ce genre d'événement que nous sommes en train de vivre maintenant, dès que je n'ai pas docteur Dadi Mata, se fasse. Ça nous remet à jour, ça nous replonge encore dans nos bouquins. Et docteur Dadi Mata, je tiens vraiment à vous féliciter et c'est vraiment très encourageant ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Merci beaucoup. Je vois le prof Omekor qui voulait parler.
Votre micro est fermé, je crois. En attendant que le prof ouvre son micro, est-ce que je peux poser une petite question au professeur Mata? Bien sûr. Merci, docteur Jean-Pierre. Oui, dites-moi, l'enfant avec hémangioblastome, est-ce que par curiosité, vous avez pu aussi faire, disons, une évaluation au niveau de sa famille? J'imagine qu'il a peut-être des frères ou des sœurs, enfin, bien que souvent au Canada, les familles sont assez, assez oui, réduites. Oui. Il y avait une notion, je crois en avoir parlé, quand je parlais des syndromes de prédisposition au cancer chez les enfants, quand on détecte oui. un syndrome comme ça, on appelle les autres membres de famille qui sont testés. Donc, on a testé en famille, la tumeur ici a été enlevée, l'enfant se porte très bien, va à l'école sans complication. Ça doit faire 4-5 ans, je crois, que l'enfant a été diagnostiqué, il se porte bien. Et en famille, je n'ai pas les comptes rendus, combien de personnes en famille ont été détectées avec cette mutation. Mais je sais que ça fait partie de management ici pour ce cas-là. Oui. Et je voulais renchérir par rapport à ce qu'a dit docteur J.B. Matoussi là. Quand vous trouvez une lésion chez l'enfant, dans n'importe quelle partie, même pas chez l'enfant, chez l'adulte, une lésion qui n'obéit pas à ce qu'on a appris dans les livres, pensez à deux diagnostics. Trois diagnostics, sarcoïdose, tuberculose et lymphome. Ces trois-là, ce sont des grands mimiques. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme et apparaître à n'importe quel organe. Et quand c'est un examen, vous n'avez pas de réponse, jetez les trois-là. Vous avez plus de 40% de chances de tomber sur quelque chose de bon. Ouais. Merci, professeur Mata. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, moi, je pense que mon micro est ouvert maintenant. Vous m'entendez? Allez-y. Allez-y, professeur. Oui. Je voulais féliciter le professeur Mata pour sa brillante présentation, même si je suis venu en retard, et dire que vraiment c'est très, très encourageant et très didactique de présenter comme ça des cas de tumeur de la fosse potéreuse. J'ai été interpellé par le docteur Jean-Baptiste Matoula pour son cas éditif des patients qui peuvent être surtraités alors qu'un bête traitement antibiothérapeutique, notamment pour le cas de la tuberculose, peut les soigner. Mais je suis assez surpris parce que le neurochirurgien, en opérant une tumeur qu'il appelle glioblastome, devrait avoir macroscopiquement quand même qu'il y a des différences par rapport à une lésion infectieuse, même si c'est un tuberculome. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que c'était l'aspect péropératoire de la lésion? Est-ce qu'il y avait de la nécrose? Est-ce qu'il y avait des vaisseaux, la néovascularisation au sein de la tumeur et des vaisseaux thrombotiques? On nous a enseigné et habituellement, fréquemment, on rencontre dans les glioblastomes toutes ces caractéristiques. Ben, si je peux placer un mot sur le cas, parce que moi, Jean-Baptiste, on m'a pris à deux cours pour ce dossier. L'enfant n'a pas été opéré. En fait, c'était les grosses discussions qu'ils ont eues. Et puis, il fallait radiochimiothérapie, il fallait… en fin de compte, ils ont opté pour un traitement entité. Donc, l'enfant n'a pas été opéré. Et après, j'ai eu à voir l'enfant dernièrement avec Jean-Baptiste aussi, qui va très bien jusqu'à présent. Donc, voilà. Voilà, merci. Et en passant, J'avais une question au neurochirurgien et au professeur Leboisé. Est-ce que dans le cadre de cette série de présentations sur les tumeurs, est-ce qu'il y a quelqu'un, un neurochirurgien, qui peut nous faire une présentation sur ce que les neurochirurgiens attendraient des radiologues en cas de tumeur du cerveau? Et peut-être inclure les voies d'abord. Comment est-ce que dans nos comptes rendus, ça vous aide en termes de voies d'abord et de image guidance, comment on appelle ça encore en français, j'ai oublié. Comment les images... La navigation. Oui. Quel angle vous voulez, ce genre de détails. Je pense que pour mettre un peu comment la série sur les gâteaux, par moment, surtout les plus jeunes au pays où il n'y a pas de confrontation, les gens jettent seulement les comptes rendus. On ne sait pas quelle est l'information qui est primordiale. Et peut-être on le met vraiment dans les lignes là. On va conclure à une sinusite pour un cas passé qui est venu avec tumeur du cerveau. Et le mot sur les tumeurs, là, c'est vraiment, il faut chercher dans la grosse littérature, dans la description. Je ne sais pas si quelqu'un est dispo, il peut nous faire un message, même inbox. On va programmer ça. C'est que le neurochirurgien attend de neuroradiologue dans les comptes rendus.
et les profs le voient, c'est pas avoir une autre une soirée où on peut parler de comment de l'histopathologie, peut-être montrer quelques images, tout ça. Parce qu'au pays, là, je me souviens, même quand je suis venu ici, quand on parlait de l'informe, tout ça, chaque fois qu'on montrait seulement les clichés, les images, là, j'étais perturbé parce que mes connaissances à l'histopathologie, c'était vraiment, vraiment élémentaire par rapport aux gens qui ont étudié ici. Alors, je ne sais pas s'il y a un cours juste pour résumer ça et faire un peu des corrélations avec la biologie moléculaire. On peut trouver un temps même en mai, fin avril ou bien demi mai. On peut trouver des lundis vides, on vous donnera ça, le temps que vous préparez aussi. Docteur Raff. Oui. Oui, allez-y, professeur. Oui, juste un mot. David, c'est vrai, ce que tu proposes, c'est un peu dans le pipeline. Hein, donc, c'est des choses que nous allons, des choses que le CNLC devra mettre en place, et bien sûr le département d'ANAPAD, comme tu as commencé par féliciter le fait qu'on soit maintenant à la tête de ce département. Donc, on a prévu ça ici et ailleurs. Hein, j'ai réagi sur médecine d'ici, médecine d'ailleurs. Donc, on est en connexion avec un réseau, le réseau où là on était formé. On est resté comme ça pour pouvoir partager cette expérience dans différentes spécialités, notamment en imagerie. Donc, ce que tu proposes, c'est très, très bien. Donc, nous allons probablement proposer un peu une séance où il va y avoir vraiment beaucoup d'images et interagir entre faire ce qu'on appelait jadis ça, un peu la confrontation anatomo-radiologie. Mais aujourd'hui, c'est une RCP élargie. Et nous allons peut-être avoir à une fréquence qu'on va déterminer chaque trimestre, par exemple, faire cette répétition-là pour permettre aux uns aux autres d'avoir un peu plus d'informations sur la morpho. Mais c'est vraiment prévu, d'autant plus que nous sommes en train de finaliser l'installation de scanner à lame. Ici, à MRDC, on pourra comme ça scanner des lames et partager ça à des plateformes vraiment à l'international pour avoir des larges points de vue de beaucoup de gens. Juste en passant, je salue mon ami Olen et bien sûr JB pour leurs interventions. Merci. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question ou une intervention? Sinon, on va s'arrêter là. Docteur Tati, tu as une question? Allô? Bon, ce n'est pas une question, mais juste une intervention. Oui, dites-moi. Par rapport à ce que le professeur Lebois a dit, c'est aussi un devoir pour nous de communiquer partout où nous passons, parce que des fois, c'est la communication qui pose problème aussi chez nous. Le professeur Lebois se souvient d'un cas d'un proche de moi chez qui était malade, opéré, la pièce envoyée à un appart où un diagnostic était posé. Il fallait maintenant passer à l'immunohistochimie. Mais même moi qui suis médecin, j'ai été découragé par d'autres médecins pour dire que c'est pas important, c'est perdre de l'argent inutilement. Mais le prof Lebois a insisté et lui-même a pris les lampes pour faire l'histochimie et qui a orienté même les traitements. Aujourd'hui, la personne se porte bien, il est sous traitement et l'évolution est très bonne. Donc, c'est parce que peut-être l'information n'était pas bonne entre nous aussi, médecins. Donc, c'est important que nous donnons la bonne information aux autres. Et nous-mêmes, nous serons aussi bien informés pour la prise en charge des tumeurs, parce que c'est une prise en charge qui est holistique et multidisciplinaire. Voilà un peu les petits commentaires que je voulais ajouter par rapport à ce que le prof Lebois a dit. OK. Merci beaucoup, docteur Tati. Nous avons déjà dépassé 1h30 de réunion. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. L'essentiel pour nous a été donné. Nous avons assez d'informations pour nous, radiologues, pour affûter encore nos diagnostics et nos comptes rendus.
les éléments essentiels ont été fournis et à nous d'enrichir et puis d'améliorer notre façon de rendre nos comptes rendus chez nos confrères cliniciens. Nous allons donner peut-être un mot de la fin au docteur Mata s'il a un mot de la fin et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. OK, le mot de la fin, c'est pour remercier tout le monde qui a participé dans ces assises. On va se revoir et comme vous avez constaté, on ne veut pas faire ça d'affilée, tout le sujet sur les tumeurs. On laisse le temps pour que les gens puissent assimiler. On va poster ça dans notre chaîne YouTube. Les gens peuvent revoir. Et dans 2 semaines, il y a une autre personne qui va venir parler de tumeurs de la tête et cou, de la filet. Et quand on va finir la tête et cou, on va faire maintenant une série pendant deux ou trois soirées où on va faire que des cas cliniques. Je vais contacter le doyen Dr Kambangu et les autres présentateurs sur les cas cliniques. On présentera même 50 ou 60 cas cliniques pour que les choses se mélangent bien à la tête. Et après, on va passer aux tumeurs de la colonne. Et on attendra le neurochirurgien qui sera disponible pour ce cours-là et pour le prof Leboisé aussi. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On se revoit lundi prochain pour un autre numéro. Merci. Merci. Beaucoup. Au revoir à tout le monde. OK, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye. Merci. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Professeur Mata. Au revoir. Merci beaucoup pour la séance d'aujourd'hui. Est-ce que pour les cas...